c'est la conférence. Ah, Bonsoir donc merci à vous d'être venu pour cette nouvelle conférence de notre cycle en lien avec l'exposition Hors du monde la carte et l'imaginaire. Nous nous avons le plaisir de recevoir ce soir un auteur, un artiste, un illustrateur qui est on peut le dire au cœur de notre exposition, monsieur François Place que nous, avons, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir qui va nous faire une conférence sur l'imaginaire géographique et cartographique mais pour respecter nos petites habitudes, je vais laisser Annick faire les présentations. Alors, François Place, écrivain et illustrateur, révèle son talent d'auteur en 1992 avec la parution de l'ouvrage Les derniers géants livre qui sera récompensé par de nombreux prix. Entre 1996 et 2000, vous réalisez les tomes de l'Atlas des géographes d'Orbaye. Vous aimez passer d'une forme à l'autre Albums, récits, romans, contes, quelques titres de vos romans La douane volante, Le secret d'Orbae et plus récemment Angel l'Indien blanc. Parmi toutes les récompenses que vous avez reçues, j'en citerai quelques-unes le prix Sorcière attribué par les libraires spécialisés jeunesse, en 1997 et 2007, le prix Amerigo Vespucci Jeunesse à Saint-Dié. Grand Prix de l'imaginaire au Salon des étonnants voyageurs à Saint-Malo, et par deux fois vous avez été primé à la Foire internationale du livre de jeunesse de Bologne. Depuis 2014, vous travaillez sur une série à destination des petits, les Aventures de Lou Pilouface. Donc, euh, je n'en dirai pas plus. Je vous laisse la parole. Tout le monde m'entend bien. Je ne sais pas si je vais me mettre comme ça. Ça va Vous m'entendez euh, D'abord, je voudrais vous remercier, la bibliothèque, de, de m'accueillir, d'avoir pris des planches pour l'exposition. Je suis très, très euh, fier d'être dans cette exposition parce qu'il y a beaucoup de cartes euh, qui sont exposées, des cartes anciennes que j'ai pu voir, mais seulement dans des livres ou seulement en bibliothèque, jamais de, de visu. Et c'est un, un monde qui m'a accompagné pendant pas mal de temps, justement pour faire euh, cet atlas imaginaire Atlas des géographes d'Orbae. Vous avez un petit peu là euh, en projection le, le premier dessin en fait qui m'a donné l'envie de faire cet atlas et qui est un, un abécédaire géographique avec de minuscules cartes. Elles ont à peu près la taille d'un timbre-poste et en fait elles représentent presque une histoire de, de la cartographie. Ce dessin-là était pour illustrer un lexique dans, dans une collection chez Gallimard de découvertes cadées. Et j'ai toujours eu, enfin à l'époque, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aller, de pousser plus loin l'exploration de, de, de ces petites cartes et d'inventer vraiment les, les pays qui vont avec. Alors j'en je, parlerai à la toute fin de la conférence. Je raconterai par exemple le, le pays d'Orbaï, d'où vient le nom de l'Atlas des géographes d'Orbaï. Mais avant, je, je souhaiterais vous faire une petite, une petite promenade dans l'histoire de la cartographie, l'histoire des voyages. Et ce qu'on appelle l'imaginaire géographique. Alors, je, je préfère lire mon texte si ça ne vous ennuie pas, mais vous pouvez m'interrompre hein, si, si vous le souhaitez. L'histoire de la cartographie est une longue quête de l'image de la Terre. Tant que les formes de notre planète n'étaient pas encore définies, l'ensemble de ses continents, les océans, les îles posées dessus ne tenaient pas en place. Ils apparaissaient et disparaissaient au gré des découvertes. Cette science qui nous semble si évidente, confortée et confirmée jour après jour par l'usage des satellites, a balbutié pendant des siècles. Il a fallu pour cela enserrer la sphère terrestre dans, le, dans un filet d'une inflexible rigueur, un carroyage de lignes imaginaires qui la rendait lisible en la compartimentant. Là, je parle des parallèles et des méridiens. Les premières cartes, encore non reproduites, s'accompagnaient de paysages de vignettes sur la faune, sur les habitants, indication qui laissait la part belle à l'extravagance. Elles étaient au confluent de la science la plus pointue et de l'aventure la plus échevelée. Une part immense de la science cartographique nous provient des navigateurs et je propose pour partir à la découverte de cet imaginaire de suivre en leur compagnie le sillage vagabond d'une baleine. Car nous dit le grand historien Jules Michelet, on doit beaucoup à la baleine. Sans elle, les pêcheurs se seraient tenus à la côte, car presque tout poisson est riverain. Tous les poissons sont près, près de la côte. C'est elle qui les émancipa et qui les mena partout. Ils allèrent, entraînés au large et de proche en proche, si loin qu'en la suivant toujours, ils se trouvèrent avoir passé à leur insu d'un monde à l'autre. Donc on, on suit ces, ces marins après les baleines. Et vous connaissez sans doute cette histoire d'un capitaine à moitié fou, le capitaine Akab, entraînant tout son équipage dans la traque obsessionnelle d'un redoutable cachalot blanc, Moby Dick. C'est le roman extraordinaire d'Herman Melville. En voici les toutes premières phrases. Je m'appelle Ishmael. Mettons, il y a quelques années, n'ayant plus d'argent ou presque, et rien de particulier à faire à terre, l'envie me prit de naviguer encore un peu et de revoir le monde de l'eau. Quand je me sens des plis amers autour de la bouche, quand mon âme est un bruineux et dégoulinant novembre, quand mon cafard prend tellement le dessus que je dois me tenir à quatre pour ne pas délibérément descendre dans la rue en dinguer les chapeaux des gens, je comprends alors qu'il est grand temps de prendre le large. Ça remplace pour moi le suicide. Rien de surprenant à cela. Chaque homme, à quelques périodes de sa vie, a eu la même soif d'océan que moi. C'est les premiers... Mot de Moby Dick. C'est très intéressant que le personnage nous dise que prendre la mer, ça remplace le suicide. Alors peut-être la raison en est que le premier navigateur fut peut-être un mort, déposé dans une pirogue, abandonné au fil d'un fleuve pour aller se perdre dans l'océan. L'image du dernier voyage et de la barque des morts se trouve aussi bien chez les Égyptiens que chez les Grecs. Mais dans son livre de voyage imaginaire, le Quart livre, François Rabelais prétend en fait que quand on est en, en mer, on n'est pas vraiment mort, mais on n'est pas non plus vivant. C'est une sorte d'état intermédiaire, un peu comme l'état liquide se trouve entre l'état solide et l'état gazeux. Car il dit, ceux qui sur mer naviguent, tout près sont du continuel danger de mort qu'ils vivent mourant et meurent vivants. Donc nous voilà sur un bateau où on ne sait pas trop si on est mort ou si on est vivant, c'est la condition des marins pendant très très longtemps. La mer est instable et imprévisible. Balancée et secouée, notre corps y est mis à rude épreuve. Les pauvres terriens que nous sommes peuvent en avoir la nausée. Cela s'appelle le mal de mer. Certains disent que pour savoir vraiment prier, il faut avoir été pris une fois dans une tempête. L'encre de secours à bord des anciens vaisseaux s'appelait d'ailleurs l'encre de miséricorde. Donc la tempête est un grand motif de la littérature de voyage. On écoute un peu Rabelais et qui nous décrit une tempête. C'est un, un des thèmes un peu qu'on trouve tout le temps dans la littérature de voyage. La tempête, ça a été traité par quantité d'auteurs. Mais chez Rabelais, c'est un, un peu féroce. Soudain, la mer commence à s'enfler et tumultuer du bas abîme. Les fortes vagues battre les flancs de nos vaisseaux le Mistral sifflé à travers nos antennes, le ciel tonner du haut, foudroyer, éclairer, pleuvoir, grêler, l'air devenir opaque, ténébreux et obscurci, si qu'autre lumière ne nous apparaissait que des foudres, des éclairs, des infractions, des flambantes nuées. Bon, c'est très euh, comment dire, euh, métaphorique, on entend, bien, on entend bien le tonnerre. Donc ça c'est un des premiers dangers de la mer, c'est donc la tempête. Le second, c'est que la mer est peuplée de créatures monstrueuses. À ces lointaines époques où la surpêche n'existait pas encore, les prélèvements dans l'océan laissaient aux animaux marins le temps de vivre et de grandir, et certains atteignaient probablement des tailles considérables. Donc les calmars géants ont sans doute inspiré la légende des kraken, ces poulpes qui attaquent les navires. Les baleines ont produit le mythe du léviathan. Et leurs cris ou leurs chants qu'on pouvait entendre à travers les coques de bois ont conforté l'existence des sirènes qui appellent les marins sous les eaux. Donc en fait, dans l'histoire des voyages, chaque fois qu'on a des choses extraordinaires, un peu invraisemblables, extravagantes, ça part souvent de choses qui sont très très réelles. Je pourrais vous en parler un petit peu tout à l'heure à propos des animaux. Mais déjà, on voit que pour les marins, quand vous regardez ces cartes avec toutes ces créatures monstrueuses, elles ne viennent pas de n'importe où. Ce sont vraiment des animaux qu'on a rencontrés, mais qu'on a mal vus, qu'on a mal appréciés, et en tout cas qui faisaient extrêmement peur Un dernier point pour la mer, c'est qu'elle semble sans limite. Les hommes du Moyen-Âge nomment l'océan qui fait le tour de la terre la mer des ténèbres. Ceux qui s'aventurent au large y meurent de faim ou de soif, ou alors d'une maladie terrible qu'on appellera plus tard le scorbut. Un mort en mer ne peut pas avoir de sépulture chrétienne, on ne peut pas l'enterrer. Il est bouffé par les poissons et ça pose tout un tas de problèmes pour sa résurrection. Donc ça, c'est aussi une des grandes questions. Pourquoi on hésitait à partir en mer, c'est qu'effectivement, lorsqu'on meurt, on ne peut pas être enterré en terre chrétienne. On est dans une espèce de no man's land. On est un peu euh, comme disait Rabelais, ni mort ni vivant. On ne sait plus vraiment où on est. Alors le siècle des grandes découvertes. Euh dont vous pouvez voir certains épisodes dans, dans l'exposition, commence avec les expéditions lancées par un tout petit royaume, le royaume du Portugal, sous l'égide d'Henri le Navigateur, justement dans cette terrible mer des ténèbres, c'est-à-dire l'Atlantique, pour longer la côte africaine vers le sud. Euh, je crois que ça démarre en 1415, si je ne me trompe pas, et il faut 15 expéditions. Entre 1424 et 1434, c'est-à-dire pendant dix ans, pour réussir à franchir un cap terrible qu'on appelle le Cap de la Peur et qui se trouve être le Cap Bojador, situé entre le Maroc et la Mauritanie. Et pourquoi on l'appelle le Cap de la Peur Parce que les marins sont persuadés que l'eau y bout comme dans une marmite et que donc on ne peut pas le franchir. Alors pourquoi cette eau bout comme une marmite Tout simplement parce qu'à cet endroit, il y a ce qu'on appelle des hauts fonds c'est-à-dire que la Terre remonte très très haut sous les vagues. Et donc comme il y a des courants et il y a des vents, les vagues sont secouées dans tous les sens. Et effectivement, de loin, on ne voit qu'une qu mer bouillonnante. Et ça veut dire quand même 15 expéditions pendant 10 ans, ça veut dire que les gens sont partis et sont revenus avant de franchir. Ils ont vraiment eu très très peur. Mais ce 15e siècle sera celui de la navigation au large, c'est-à-dire qu'on va quitter le, les terres pour vraiment aller en pleine mer, la navigation auturière qui va ouvrir la porte des océans et permettre la découverte des continents, mais aussi ce 15 siècle, c'est celui de la perspective, donc l'invention d'un nouveau point de vue, de l'imprimerie, la diffusion des savoirs, de la dissection anatomique, des prémices de l'optique. Je parle de la dissection anatomique parce qu'on disait à l'époque qu'on explore le grand monde, la Terre, et qu'on explore le petit monde, le corps humain. Et c'est pour ça que j'ai envie de revenir avec Melville, à bord du Péco, donc sur le bateau qui fait la chasse à Moby Dick, pour y découvrir cet objet si mystérieux qu'on appelle une carte. Nous allons voir comment l'auteur passe en un seul paragraphe de la carte marine à celle du corps humain. Il les sortait presque chaque nuit. Presque chaque nuit, quelques traits de crayon étaient effacés et remplacés par d'autres. Les cartes des quatre océans étalées devant lui. Acabe traçait un labyrinthe de courants et de remous pour serrer de plus près le but qu'il s'était proposé dans la folie de son âme, c'est-à-dire attraper la baleine blanche. Tandis qu'il était ainsi occupé, la lourde lampe d'étain suspendue par des chaînes au-dessus de sa tête se balançait continuellement avec les mouvements du bâtiment, et projetait des lueurs et des ombres dansantes sur son front ridé. Et il semblait que, Tandis que le capitaine marquait lignes et courses sur les cartes froissées, un invisible crayon traçait courses et lignes sur la carte fortement accusée de son front. Ce n'est pas la première fois qu'on trouve cette euh, allégorie de la carte qui est plaquée sur le corps humain, et le corps humain comme une cartographie, en fait, surtout quand on est très très vieux et qu'on a beaucoup de rides. Alors là, on, on se retrouve avec comment dire, une espèce de cartographie de la vie qu'on a vécue avant. Il y a un très beau texte de Borges, je fais un petit saut dans, dans le temps. Un homme se fixe pour tâche de dessiner le monde. Tout au long de l'année, il peuple l'espace d'images de provinces, de royaumes, de montagnes, de golfs, de vaisseaux, de maisons, d'instruments, d'astres, de chevaux, de personnes. Peu avant de mourir, il découvre que ce patient labyrinthe de lignes trace l'image de son visage. Alors les cartes du Moyen Âge étaient des objets précieux, destinés aux princes et aux puissants, et c'était autant des œuvres d'art que des œuvres de science, avec des représentations de l'espace qui étaient en même temps des catalogues de merveilles qu'on appelait les mirabilia, les choses qui sont belles à voir. L'imaginaire, il faisait jeu égal avec le réel, au point par exemple que lorsqu'on commande une carte à un cartographe à cette époque, eh bien, le cahier des charges comporte le nombre d'éléments qu'on veut y voir figurer. c'est d'autant plus cher qu'on a beaucoup d'éléments à montrer. par exemple, le cahier des charges d'une carte commandée en 1399 à barcelone, il est indiqué que devront y figurer 165 personnages et animaux, 25 nefs galets, donc des bateaux, 100 poissons. faut 100 poissons. 340 bannières. on peut avoir une réduction si on en fait euh, 30. 350, 340 bannières et cités et 140 arbres. Donc ça c'était dans le cahier des charges de la carte elle-même. Et la première mention de terra incognita, c'est-à-dire de terre inconnue, figure sur l'atlas catalan d'Abraham Cresque, j'espère que je ne dis pas de bêtises, ingénieur géographe du roi d'Aragon. La terra incognita, en fait, c'est cet endroit qui est aux confins du monde connu où on peut trouver des créatures aussi improbables que les acéphales, qui sont des êtres humanoïdes avec la tête au milieu du corps. Vous voyez, c'est des êtres qui sont dessinés comme ça. Et ils, ont, ils ont les yeux ici, le nez là, là et la bouche au nombril. Donc les cartographes n'hésitent pas à inventer des royaumes pour remplir les blancs de la carte. Il y a un royaume qui est très célèbre, qui s'appelle le royaume du prêtre Jean. C'est un royaume qui est en Asie, imaginé par... mais complètement imaginé. Par un voyageur mythomane qui s'appelait Jean de Mandeville et qui du coup apparaît sur certaines cartes. Donc le royaume est inventé, il apparaît sur des cartes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on envoie des gens à la recherche de ce fameux prêtre Jean parce qu'il est dit dans l'histoire que c'est un roi très chrétien qui vit en Asie, de l'autre côté du monde. Et ça peut être intéressant pour les gens qui font des croisades d'aller rencontrer ce, ce roi très chrétien pour prendre les musulmans en tenaille. Donc Saint Louis, a envoyé un envoyé spécial, Guillaume de Rubrouk, et le pape, lui, a envoyé un ambassadeur qui avait le nom de Jean du Plan Carpin. Et ils sont allés où ça Ils sont allés jusqu'au fond du pays des Mongols. Et ils sont revenus un peu déçus parce qu'il n'y a pas plus de prêtres gens là-bas que de McDo sur la Lune. Mais qu'à cela ne tienne, c'est qu'on a dû se tromper sur la localisation. Alors du coup... Quelque temps plus tard, on a dit, mais oui, on s'est planté. Le prêtre Jean, de toute façon, il existe, mais c'est pas en Asie, c'est en Afrique. Et les Portugais ont installé ce royaume en Éthiopie, plutôt que d'y renoncer. Ça tombait bien parce qu'en Éthiopie, il y avait effectivement un roi chrétien. Donc vous voyez cette espèce de migration comme ça de, de, du royaume qui se promène au gré, en fait, à la fois de l'imagination et de ce que les gens pensent. Les cartographes, euh, alors je, je, je reprends un peu, plus, un peu plus loin. Faisons un bond de 4 à 5 siècles. Les nouveaux cartographes, on va parler de ceux du 19e siècle qui sont très précis, eux, ils s'en tiennent à ce qui est vérifiable. Donc les terra incognita ne sont plus des zones avec des animaux extraordinaires, ce sont des, des blancs sur la carte. Et ce qui est un, un, intéressant, c'est que. Le trop-plein de la carte, quand il y a des choses extraordinaires, attire autant les voyageurs que le blanc, quand il n'y a rien. Et l'exemple le plus extraordinaire, c'est sans doute euh, le pôle Nord. Parce que le pôle Nord, sur certaines cartes, c'est un petit rocher qui est entouré de quatre îles. Donc ça, c'est quand on invente. Mais quand on, on sait exactement ce qu'est le pôle Nord, c'est un point euh, totalement abstrait sur une mer gelée, sur la banquise. Mais ça ne va pas empêcher des gens d'aller au péril de leur vie en 1909, aller planter un drapeau sur le pôle Nord. C'est-à-dire sur un, un point qui, qui n'a aucun autre intérêt que d'être le, le sommet de la Terre. Et qui est un, sur la carte qu'on peut, on pourrait faire une carte blanche, mettre un point et dire c'est le pôle Nord. Donc entre ces deux façons de cartographier, celle du trop-plein et celle du vide, hein, l'une qui est balbutiante et bavarde, et l'autre qui est rigoureuse et lacunaire. On voyage à tâtons pendant des années. Le premier globe terrestre, donc le premier globe terrestre, c'est intéressant, c'est un, un type qui est quand même à Nuremberg, au milieu des terres, et qui fabrique un, un, un globe en, en bois et en plâtre et qui dessine la Terre. Ça demande un effort considérable, à la fois de, de connaissances, d'imagination, mais aussi, voilà, c'est la première fois qu'on peut faire tourner la Terre en rond. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas, évidemment. On ne connaît pas, par exemple, c'est en 1492. Hein, on ne connaît pas encore l'Amérique. Mais euh, ce géographe qui s'appelle Martin BM a, par contre, dessiné la route qu'a prise Christophe Colomb vers l'ouest pour aller en Asie. Elle figure sur ce premier globe terrestre. Et le premier atlas imprimé, c'est en 1570, c'est celui d'Abraham Ortelius. Alors les premiers, les premiers atlas imprimés vraiment importants, il fallait une découverte majeure, c'est celle de la gravure sur cuivre. Parce qu'avant, on était en gravure sur bois. La gravure sur bois ne permet pas les finesses de la carte qu'on obtient sur de la gravure sur cuivre. Et avec la gravure sur cuivre, on peut vraiment dessiner des cartes extrêmement précises. Donc le premier atlas imprimé, 1570, il est dédié au roi d'Espagne, Philippe II, qui règne sur un empire où le soleil ne se couche jamais, puisqu'il a des terres aussi bien en Asie qu'en Amérique. Et je crois, j'ai lu quelque part cette anecdote, je ne sais pas si, je n'ai pas pu la vérifier ensuite. Il y avait un cardinal qui était chargé de recevoir les cadeaux du roi. Donc cet atlas, il est dédié au roi Philippe II. Il reçoit l'atlas d'Abraham Ortelius, ce cardinal. Et la première chose qu'il fait, il se précipite sur la carte de l'Espagne. Et sur la carte de l'Espagne, il essaie de trouver le nom de son village. Et il est très déçu, parce qu'il n'y a pas le nom de son village. Et donc, je ne sais pas, mais en tout cas, l'atlas est quand même parvenu dans les mains du roi. Ce qui est intéressant dans ce premier atlas imprimé, c'est qu'il y a une grande, ta, une grande terre qui est figurée au sud du globe, qu'on appelle la Terra Australia Non Dum Conita, la terre australe qui n'est pas encore connue, ce qu'on appellera aussi les terres magellanes. Et cette terre australe qui n'est pas encore connue, qui est une espèce d'énorme bloc comme ça qui remonte dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, euh, les gens pensent qu'elle est nécessaire pour équilibrer le globe dans sa rotation, parce qu'il y a beaucoup de terre au nord et beaucoup d'eau au sud. Donc, euh, forcément, il y a un contrepoids. Et voilà l'explication, par exemple. Ça, c'est un savant français du 18 siècle, Charles de Brosse, en 1753, qui dit J'appelle terres australes tout ce qui est au-delà des trois pointes méridionales du monde connu c'est-à-dire au-delà du cap de Bonne-Espérance en Afrique, des îles Moluques et célèbres en Asie et du détroit de Magellan en Amérique. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas dans une si vaste plage quelque immense continent de terre solide capable de tenir le globe en équilibre dans sa rotation. Donc cette euh, terre australe, c'est tout simplement une spéculation géographique qui part d'une espèce de bon sens, dire voilà, vous avez une boule de pétanque, si elle est plus lourde d'un côté et plus légère de l'autre, vous la faites rouler, elle va faire comme ça. Et si elle est bien équilibrée, elle va rouler naturellement. Donc pour que la terre tourne bien, il faut qu'elle soit comme une toupie bien équilibrée. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette terre australe, elle remonte très très loin. Euh vers l'équateur. Et les gens de l'époque pensaient que donc, il y avait des habitants sur cette Terre australe qui étaient en quelque sorte nos cousins. Parce qu'en Afrique, il y avait des zones qui étaient torrides. En Amérique également, quand on allait vers les pôles, on était dans des zones gelées. Mais cette Terre australe, puisqu'elle remontait, il y avait forcément de l'autre côté de l'équateur une zone tempérée, avec en quelque sorte nos cousins, nos cousins de l'autre côté de la Terre. Et un autre savant, qui s'appelle Maupertuis, pareil, 18e siècle, dit, j'aimerais mieux une heure de conversation avec un habitant de l'Australasie, donc c'est cette terre australe, plutôt qu'avec le meilleur esprit de l'Europe. Donc voilà, on pense vraiment qu'on a des cousins de l'autre côté du monde. Alors, cette terre qui figure en 1570, on va envoyer des gens à sa recherche, des marins au grand péril de leur vie qui vont descendre au fond de l'océan Indien ou au fond du Pacifique. Les Français ont envoyé un personnage qui s'appelle Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec à vos souhaits, pour le compte de Louis XV. Il part de l'île Bourbon, la Réunion, avec des bateaux dont, le, dont les noms m'amusent beaucoup. Il y en a un qui s'appelle le Fortune et l'autre qui s'appelle le Gros Ventre. Vous imaginez partir en expédition avec un, un, un bateau qui s'appelle le Gros Ventre. Et il tombe. Sur un archipel très très loin au sud de l'océan Indien, en 1762, il se demande si c'est le début de la Terre australe. Et ces terres qu'il rencontre, battues par les vents, sont si désolées que Kerguelen, le capitaine de l'expédition, refuse d'y débarquer. Il revient. Le roi est déçu. Les savants aussi. Quoi, il a touché la Terre australe, il n'a même pas débarqué. Kerguelen est obligé de faire un deuxième voyage. Et c'est un nouveau fiasco. Alors ces îles qu'on appelle les îles Kerguelen, vous pouvez les situer sur la carte. À son retour, il est jeté en prison pour avoir emmené Louis Seguin, sa maîtresse déguisée en marin. Mais c'est peut-être davantage le dépit des savants et du roi qui voit alors échapper cette terre insaisissable qui fuit devant la proue des navires. Alors celui qui met fin aux spéculations sur la terre australe s'appelle James Cook. C'est un navigateur anglais. Qui est né en 1728, c'est le deuxième de huit enfants d'un valet de ferme écossais. Alors, vous prenez l'Angleterre, vous prenez l'Écosse, c'est très pauvre. Vous prenez une ferme, c'est encore plus pauvre. Vous prenez un valet de ferme, c'est très, très, très pauvre. Et là, parmi huit enfants, il y en a un qui va devenir marin. Donc, il va être apprenti épicier dans un village de pêcheurs, et puis marin à bord d'un brick charbonnier. Ensuite, il va être pilote hauturier, c'est-à-dire ceux qui vraiment conduisent les vaisseaux. Donc, il apprend à naviguer dans des mers qui sont très, très difficiles, les mers autour de l'Angleterre. Il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de vent. En 1755, il s'engage dans la marine de guerre anglaise, et au début de la guerre de Sept Ans, il cartographie l'embouchure du Saint-Laurent. Pourquoi je dis ça Ça devient donc c'est un. Un type qui va vraiment devenir un savant, un cartographe, euh, qui va vraiment étudier l'astronomie, etc. Mais évidemment, l'embouchure du Saint-Laurent, ça nous concerne parce que c'est grâce à lui que les Anglais ont fait main basse sur Québec. Ensuite, euh, il cartographie euh, euh, Terre Neuve et son premier voyage autour du monde à bord de l'Endeavour, c'est en 1769-1771. Imaginez, il descend tout en bas du globe et il fait une navigation, c'est un petit peu le, le vent des globe challenge c'est la, la navigation au sud du globe. Donc dans des endroits qui on appelle les 40e rugissants, les 50e hurlants, ça donne pas très envie d'y pas très envie d'y aller. Et là, il va buter en quelque sorte sur de grands icebergs tabulaires qui sont les icebergs qui sortent de l'Antarctique. Et il va dire qu'il est presque heureux de rencontrer cet obstacle parce que les souffrances de son équipage sont telles qu'il ne souhaitait pas continuer à descendre plus bas. Donc James Cook va remonter par la Nouvelle-Zélande, l'est de l'Australie, le détroit de Nouvelle-Guinée. Il fait une carte de la Nouvelle-Zélande qui est si précise qu'on peut presque y juxtaposer une photo satellite. Donc c'était un, un excellent cartographe. Et c'est lui qui met en quelque sorte fin. À cette histoire de la Terre australe. C'est-à-dire que maintenant, on sait que c'est un continent gelé. Il y aura d'autres expéditions, il y aura d'autres gens, mais ce ne sera plus le même propos. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette Terre australe, elle va générer, chez des écrivains, chez des, chez des savants, chez des philosophes, tout un tas de questions. Et un des livres les plus fameux en, en géographie imaginaire, Les Voyages de Gulliver, de Jonathan Swift, eh bien, il place une de ces terres imaginées, l'île des Lilliputiens, à proximité de la fameuse terre australe. Donc, c'est une terre qui a, qui a donné de l'imagination aux gens. La carte, ça sert donc à projeter un regard sur le monde, à l'imaginer, à l'inventer, mais aussi, ça sert évidemment à exercer son pouvoir. Alors, je retourne dans un atlas, celui de Johann Blaeu, qui est un atlas qui est dédié au roi Louis XIV. Et on va voir comment... Euh, le roi Louis XIV regarde la carte. Ici, dans un véritable atlas, dans un plus véritable atlas que celui des fables, vous verrez Sire, un abrégé du monde. Vous le verrez distinguer dans chacune de ses parties et dans chacune des royaumes placés suivant leur situation naturelle, sans y avoir oublié les limites que la nature leur a données. Vous verrez de vastes contrées que le soleil brûle et rend presque inaccessibles, d'autres entièrement glacés, d'un aussi difficile abord, qui sont néanmoins remplis de votre très illustre nom. Ça, c'est quand même pas mal. Au pôle Nord, on parle de Louis XIV alors qu'il n'y a personne. Loin de ces endroits de la Terre, que le chaud ou le froid domine, dans une zone plus tempérée, sous un ciel plus doux, vous trouverez vos États, qui de tout temps ont fleuri, soit en paix, soit en guerre, mais qui n'ont jamais été plus heureux qu'à présent sous le règne. Glorieux de Votre Majesté. Bon, c'est vraiment une dédicace. Hein Je pense qu'il va avoir une bonne récompense. Et partout où Votre Majesté daignera jeter la vue en ce livre, soit qu'elle s'arrête à considérer l'Arctique la plus froide, l'Europe la plus civile et la mieux peuplée, soit qu'elle se tourne vers l'Asie la plus belle pour sa situation, parce que au départ on orientait les cartes vers l'Orient, ou vers l'Afrique la plus merveilleuse. Ou enfin vers l'Amérique nouvellement découverte, elle n'y verra pas de pays qui n'ait entendu parler du roi de France Louis XIV. Bon, voilà. Il peut regarder partout sur l'Atlas, on parle de Louis XIV. Alors, ça pourrait être juste comme ça amusant dans la dédicace, mais ça a un impact assez important. Parce que voyons maintenant comment ce roi assis sur son trône s'y prend pour agrandir son territoire. Pour conquérir un morceau de continent, il a besoin de quoi Un voyageur hardi Une croix et une carte. Le 9 avril 1682, Robert Cavelier de La Salle, qui est parti des Grands Lacs canadiens en Canoë, a descendu tout le fleuve Mississippi jusqu'à son embouchure. Il plante une croix sur la rive, donc il euh, y a trois Pékins autour de lui, et il prend possession, au nom du roi de France Louis XIV, alors là accrochez-vous bien, du pays de Louisiane, c'est-à-dire toutes les mers ports, provinces, tous les peuples et nations, cités, villages, mines, pêcheries du dit pays, ainsi que le long du fleuve Colbert au Mississippi et toutes les rivières qui s'y déchargent depuis ses sources jusqu'à son embouchure. Donc vous imaginez, juste avec une croix et un petit mot, et on prend possession de tout ça. Et voilà ce qu'en pensera Mark Twain, un auteur américain, 200 ans plus tard dans son livre qui s'appelle La vie sur le Mississippi. Ce jour-là, le royaume de France reçut par un parchemin un accroissement territorial prodigieux. Une région de savane et de forêt, de désert, craquelés par le soleil et de prairies herbeuses, arrosée par un millier de rivières, de rivières parcourue par un millier de tribus guerrières, passa sous le sceptre du sultan de Versailles. Tout cela grâce à une faible voix humaine, inaudible à un demi-mille de distance. J'ai juste envie de continuer un petit peu avec la Louisiane pour vous dire ce qu'il en est advenu. Elle a été cédée à l'Espagne en 1763 au traité de Paris qui concluait la fin de la guerre de Sept Ans. Ensuite, elle a été rendue à la France par le traité d'Aranjuez en octobre 1801. Et puis, elle a été vendue par Napoléon à Jefferson, président des États-Unis, pour 15 millions de dollars le 30 avril 1803. Donc, euh, Napoléon a vendu la Louisiane pour financer, euh, comment dire, sa conquête de la Russie. Et en doublant son territoire, parce que c'était un territoire immense, la jeune Amérique des États-Unis s'est lancée à la conquête de l'Ouest. C'est quand même assez bizarre qu'on puisse acheter un territoire aussi grand, mais il n'y a pas très longtemps, Donald Trump, nouveau Louis XIV en son terre d'Amérique, a souhaité acquérir le Groenland. C'est pas une farce, c'est vrai. Il a voulu acheter le Groenland. Je ne sais pas s'il a des procédés autres que ceux de Louis XIV, mais ça m'a quand même assez fasciné. Donc le même Louis XIV. Après une longue mission de cartographie de son propre royaume par les frères Cassini, déplorait que le nez de la Bretagne en ait été raccourci, comme si la carte avait amputé un bout de son territoire. Il s'est trouvé avec une carte, et il a trouvé que la Bretagne était un peu petite. Et la raison, c'est peut-être une question d'unité de mesure, parce que les unités différaient d'une province à l'autre. La lieu de Bretagne, elle était plus longue que la lieu de celle de Paris. Que la lieue de Paris, donc forcément, si vous avez deux lieux de Bretagne, ça, 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 peut, ça peut raccourcir. Oui, c'est ça. On peut en trouver l'explication chez ce bon François Rabelais. Alors là, c'est un petit peu de la géographie érotique, vous pouvez vous accrocher. Or, en cheminant, voyant Pantagruel que les lieux de France étaient petites par trop au regard des autres pays, en demanda la cause et raison à Panurge. Et celui-ci lui dit que d'ancienneté, les pays n'étaient pas distincts par des lieux ni par des parassanges, jusqu'à ce que le roi Pharaon les distingue, ce qui fut fait en la manière que s'ensuit. Voilà comment on a distingué les lieux. Il prit dedans Paris cent beaux jeunes et galants compagnons, et cent belles garces picardes. Il les fait bien traiter et penser pendant huit jours, et les appela et à un chacun sa garce avec force argent pour les dépens, il leur fit commandement qu'ils s'en allassent en divers lieux par-ci et par-là et tous les passages où ils chevauchaient leur garce qu'ils missent une pierre et ça ferait une lieue. Mais par ainsi les compagnons partirent joyeusement. Comme ils étaient frais de séjour, ils chevauchaient à tout bout de champ. Et voilà pourquoi les lieux de France sont tant petites. Mais quand ils eurent long chemin parcouru, Qu'ils étaient là comme des pauvres diables, qui n'avaient plus d'olives dans le calais. Je ne traduis pas. Ils ne chevauchaient pas si souvent. Ils se contentaient bien de quelques méchantes paillardes fois le jour. Et voilà qui fait les lieux de Bretagne, des d'Allemagne et autres pays plus éloignés. Si grandes. En 1792, Pierre Méchain et Jean-Baptiste Delambre quittent Paris. Le premier vers Barcelone, le second vers Dunkerque, pour mesurer le quart du méridien terrestre. Et donc, pour trouver une nouvelle mesure universelle et objective, ce qu'on appellera le maître. Mais rien ne nous empêche d'imaginer que la proclamation du maître étalon, le 22 juin 1799, fait malicieusement référence au texte de Rabelais. Bon, quittons ces mesures terrestres et retrouvons le pied marin à bord du Péco, toujours à la poursuite de notre baleine. Au début du livre, Ishmael a partagé bien malgré lui sa chambre et son lit avec un harponneur appelé Quickweg qui pose gentiment sur la table de nuit une tête coupée afin de faire ses dévotions. Ce Quickweg est tatoué des pieds à la tête et il va devenir son ami. Mais nous sommes maintenant au milieu du livre. Voilà qu'on a signalé enfin la baleine blanche. Et de nouveaux personnages, véritables passagers clandestins, font irruption dans le récit. Mais, ça, mais à ce moment critique on entendit une exclamation soudaine qui détacha tous les yeux du cachalot et sursautant chacun regarda vivement le sombre capitaine accab il était entouré de cinq fantômes qui semblaient tout fraîchement nés de l'air ces fantômes car alors ils semblaient tels volèrent de l'autre côté du pont et avec une célérité silencieuse larguèrent les amarres et les saisines de la baleinière qui se balançait là. Cette baleinière avait toujours été considérée comme embarcation de rechange, bien que techniquement appelée baleinière du capitaine, parce qu'elle se trouvait à tribord arrière. Le personnage, qui se tenait maintenant à la proue, était grand et basané, avec une dent blanche qui saillait méchamment hors de ses lèvres d'acier. Une tunique chinoise en coton d'un noir funèbre, toute froissée, le revêtait, ainsi que de larges pantalons de la même étoffe. Mais un turban d'une blancheur étincelante couronnait étrangement cette figure d'ébène. C'était ses cheveux, tressés et enroulés plusieurs fois autour de sa tête. Moins basanés, les compagnons de ce personnage avaient le teint plus vif, de cette couleur jaune-tigre particulière aux indigènes de Manille, race célèbre pour sa subtilité quasi-diabolique et que certains naïfs matelots blancs croient être des espions et des agents confidentiels du diable dont ils supposaient le bureau quelque part. Avec ces cinq fantômes, un nouvel imaginaire se déploie dans le récit, issu de l'étrangeté et de la diversité prodigieuse des mœurs, des coutumes, des costumes. Car à quoi bon voyager si c'est pour y rencontrer son double il faut aller à la rencontre de la diaprure du monde, affronter les surprises réservées à ceux qui s'aventurent au-delà du commun et découvrir l'inattendu. Là, j'entame un petit passage sur voilà toutes ces étrangetés, mais cette fois-ci humaines et non plus géographiques. Voyons comment Ibn Battuta, un voyageur arabe du XIVe siècle, décrit la Sibérie. Il dit que c'est la vallée de l'obscurité. Il y fait toujours sombre. Sans soleil, ni lune, ni étoile. Il y fait aussi obscur qu'au crépuscule du soir, lorsqu'on y voit et n'y voit point. On ne voyage pas par cette contrée, sinon avec des petits chariots tirés par des chiens. Donc c'est évidemment l'hiver le, le, polaire, au-delà du cercle polaire, quand euh, la nuit est très très longue. Et voilà, il décrit euh, la Sibérie. Mais il faut imaginer l'impact d'un texte comme ça sur les... Les gens de l'époque, ces petits traîneaux tirés par des chiens dans un pays qui s'appelle la province d'obscurité. On va aller un petit peu plus loin dans l'étrangeté. On va écouter Nicolas de Nicolet, qui est un voyageur italien dans l'empire de Soliman le Magnifique. Il décrit euh, des gens qui sont chargés de porter le courrier du sultan, les coureurs. Il dit ces pecs, voilà, les pecs, ça veut dire ces types, trottent au-devant du grand seigneur et courent toujours. Sautant sur la pointe des pieds, sans intermission ni repos. On dirait un, un jogger euh, qui attend euh, au coin d'un feu rouge. Et à ce prompt département, ils vont sautant comme des cabrioles, c'est-à-dire cabrioles, des chèvres, et si cheminant jour et nuit, sans arrêt ni repos, ils expédient autant ou plus de chemin que ferait le meilleur cheval de Turquie. On tient pour certains, c'est là où ça commence à devenir intéressant, que ces légers coureurs se font ôter la rate en jeunesse, parce qu'on disait courir comme un dératé. Par un moyen si secret que pour nulle chose ne le veulent communiquer à personne. Voilà, on ne saura jamais comment ils font. Et autrefois, ils se faisaient ferrer sous la plante des pieds comme les chevaux, étant la callosité de leur peau si dure qu'elle pouvait aisément supporter les clous et les fers qui étaient légers. Voilà, donc euh, des coureurs qui avaient des fers aux pieds et qui se faisaient ôter la rate. Les coureurs du Grand Turc, les Tungus de la Toundra d'Inbatuta, pourraient voisiner avec les portraits des peuples inventés par Henri Michaud. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur dans son voyage en grande carabagne les émanglons, les homobules, les écarassins, les vibres, les bordettes. Voilà, c'est un très beau livre de voyage imaginaire. Le récit de voyage, c'est toujours un point de vue singulier. Plus la langue du voyageur est colorée, incisive, acérée, plus le récit s'en trouve relevé c'est comme ça aussi que se forgent par exemple les stéréotypes sur les étrangers. on va prendre un exemple avec un voyageur anglais qui s'appelle tobias george smollett qui est jamais en mal, en, en mal de dire du mal des français. c'est une sorte de précurseur du brexit. et voilà son voyage à travers la france. s'il n'est point de propreté parmi ces gens, on y trouve encore moins la délicatesse qui est la propreté de l'esprit. un français authentique Plonge ses doigts brunis de tabac dans le ragoût qui emplit son assiette, tire sa tabatière toutes les trois bouchées, hume une nouvelle prise du geste le plus gracieux, puis il déplie son mouchoir qu'on pourrait tout aussi bien appeler l'étendard de l'abomination, et il répand ainsi ses bienfaits sur tous ceux qui ont le bonheur d'être assis près de lui. Si vous recevez un Français dans votre famille, si vous lui témoignez des marques répétées d'amitié et d'estime, il vous remercie de vos amabilités en commençant par faire la cour à votre femme si elle est jolie, sinon à votre sœur, à votre fille ou à votre nièce. S'il essuie un échec à votre femme, s'il ne réussit pas à séduire votre soeur, votre fille, votre nièce, plutôt que de manquer à la galanterie, il entreprendra votre grand-mère. Et je parie que d'une façon ou d'une autre, il trouvera le moyen de ruiner la paix d'une famille qui lui a fait si bon accueil. Bon, on est catalogué pour quelques siècles avec ça. L'entreprise de colonisation qui est mise en œuvre par l'Europe avance sur trois fronts, qu'on appelle les trois C, le C du commerce, de la civilisation, du christianisme. Le conquérant fait main basse sur les terres, le marchand sur les richesses, le missionnaire fait main basse sur les âmes. Les Jésuites, les premiers, comprennent la nécessité d'étudier les mœurs et la langue des indigènes pour mieux les convertir. Ils ont inventé une forme d'espionnage ethnographique. En voici un exemple. C'est le traité de comparaison des mœurs entre les Japonais et les Portugais de Louis Freud en 1585. Ce traité compare terme à terme toutes les observations que ce jésuite a faites au Japon avec ce qu'il connaît de son propre pays. Les rapports entre les hommes et les femmes, la religion, l'éducation, l'habitat, les vêtements, les manières de table, l'écriture, les arts, les sciences, le système politique, les castes, les classes sociales, l'équipement du soldat, les manières de faire la guerre, les métiers, etc. Ça donne ça. Les Européens tiennent pour beaux les grands yeux. Les Japonais les trouvent horribles. Pour eux, les beaux yeux sont fermés du côté des larmes. Nous entrons avec nos souliers dans les maisons. Au Japon, il est discourtois de ne pas les laisser à la porte. Chez nous, il est inconvenant de se découvrir ne serait-ce que du bout du pied pour se réchauffer auprès de l'âtre. Au Japon, celui qui se tient auprès n'a nulle honte de ne se mettre qu'une nuit pour la même fin. Chez nous, les prénoms des femmes sont empruntés aux saintes ceux des japonaises sont marmite grue tortue d'eau espadrille thé roseau notre tombe est allongée la leur est ronde en demi-tonneau nos cloisons sont de pierre de chaux de briques celles du japon elles sont faites de portes de papier les jésuites sont des ethnologues intéressés ils ont toujours un propos en tête. Ils veulent étudier le, le, les gens chez les, lesquels ils sont, mais ils ont un propos. Le jésuite Matteo Ricci, désireux de convertir l'empereur des Chines, passe des années dans ce lointain pays pour y apprendre la langue. Grâce à sa mémoire prodigieuse, il peut lire et écrire à la perfection les idéogrammes. Il a même prévu des cadeaux pour l'empereur une horloge, des tables d'astronomie, une image de la Vierge. Mais un obstacle l'empêche d'approcher les mandarins de rang inférieur sans parler de tous leurs supérieurs qui travaillent dans la cité interdite de Pékin, car Matteo Ricci est vêtu comme un pauvre. Il est vêtu de sa robe de bure. Il doit donc écrire une lettre au pape pour lui demander la permission de porter de la soie, parce que s'il ne porte pas de vêtements de soie, jamais il ne pourra discuter avec un mandarin. Et je pense qu'il se coifferait de plumes s'il devait convaincre un indien des plaines. En 1719 paraît un nouveau thème dans la littérature de voyage et qui va marquer les esprits jusqu'à aujourd'hui. C'est le Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Tiré de l'histoire vraie d'un marin anglais, Selkirk, abandonné sur une île au large du Chili, il pose nombre de questions. Comment rester soi-même quand on est isolé sur une île déserte Comment ne pas sombrer dans la folie quand on est prisonnier dans l'immensité et que l'on n'a personne d'autre que soi-même à qui parler et que garde-t-on de ses croyances Avec l'arrivée de Vendredi sur l'île déserte, Robinson instaure immédiatement le rapport de supériorité du civilisé au sauvage. Donc voilà le pauvre Vendredi qui arrive. En peu de temps, je commençais à lui parler, à lui apprendre à me parler. D'abord, je lui fis savoir que son nom serait Vendredi. C'était le jour où je lui avais sauvé la vie. Et je l'appelais ainsi en mémoire de ce jour. Et puis, je lui enseignais également à m'appeler maître, à dire oui ou non. Et je lui appris ce que ces mots signifiaient. Je lui donnais ensuite du lait dans un pot de terre. J'en bu le premier, j'y trempais mon pain et je lui donnais un gâteau pour qu'il fît de même. Le, le Robinson Crusoe, euh, c'est un livre qui a eu un succès considérable dès le début. Et il a inauguré une immense famille, la famille des Robinsonades. On continue à écrire des livres ou à faire des films sur des gens qui sont perdus sur une île déserte, etc. Je peux citer par exemple « Vendredi ou les larmes du Pacifique » de Michel Tournier. Le royaume de Kensuke de Michael Morpurgo, Sa Majesté des Mouches de William Golding. La sauvagerie, ou pour mieux dire l'état de nature, serait une sorte d'âge d'or, de page vierge, un Éden n'ayant pas encore reçu la balafre des guerres et des tyrannies. Jean-Jacques Rousseau, à la recherche d'une origine à l'inégalité parmi les hommes, vulgarise le mythe du bon sauvage qui n'est pas encore perverti par la civilisation. Les questions de Robinson autour du thème nature et culture ne sont pas les seules qui intéressent les philosophes du XVIIIe siècle. D'autres utilisent ce formidable réservoir d'images, de propositions de vie, d'étrangeté des communautés humaines pour en imaginer de nouvelles, en suivant les traces de Thomas More, qui s'est inventé une île gouvernée par un pouvoir politique parfait et terrifiant sous le nom d'Utopia. Donc les Utopies, ça sort aussi de cette histoire des voyages. On peut également feindre d'être un étranger pour contourner la censure et critiquer les lois et coutumes sous lesquelles on vit. Ça, c'est Charles Louis de Montesquieu, qui égratigne le pouvoir royal et s'amuse des mœurs de son époque dans les lettres persanes. Ou alors, toujours Jonathan Swift, que j'ai déjà cité, qui est un Irlandais et qui écrit une modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres en Irlande d'être à charge de leurs parents. Alors pour ça, il va utiliser le truchement d'un indien, un indien cannibale, dont la naïveté naturelle, ou pour mieux dire le détachement, rend plus cruelle la charge portée contre les Anglais. Ça donne ça. Un jeune Américain de ma connaissance, c'est cet indien là dont je viens de parler, homme très entendu, m'a certifié à Londres qu'un jeune enfant bien sain, bien nourri, est à l'âge d'un an un aliment délicieux, très nourrissant et très sain. Bouillie, à l'étuvée ou au four. J'accorde que cet aliment sera un peu cher et par conséquent qu'il conviendra très bien aux propriétaires qui, puisqu'ils ont déjà dévoré la plupart des pères, paraissent avoir le plus de droits sur les enfants. C'est de cette façon que Swift se, se moque de la, en quelque sorte, la colonisation anglaise en Irlande. Alors, cet, cet Indien, j'en parle parce que l'Amérique, cette Amérique découverte par Christophe Colomb, c'est évidemment la terre de tous les fantasmes. D'abord, on dit des Indiens d'Amérique qui sont sans foi, sans loi, sans roi. Donc, on peut en faire ce qu'on veut. Et Christophe Colomb, la première fois qu'il les rencontre, dit Ils aiment leurs prochains comme eux-mêmes. Ils ont le langage le plus doux et le plus affable du monde et toujours le sourire. Ils vont nus, hommes et femmes, comme leur mère les enfanta c'est une image du paradis terrestre. christophe colomb était persuadé d'être pas très très loin du paradis terrestre. mais un peu plus tard, il va ajouter ils sont propres à être commandés et à ce qu'on les fasse travailler, semer, mener tous autres travaux qui seraient nécessaires, à ce qu'on les fasse bâtir des villes, à ce qu'on leur enseigne à aller vêtus et prendre nos coutumes. je ne vais pas revenir sur la conquête de l'amérique, que ce soit au nord parce que ou au sud, c'est une épouvante. mais durant tout le temps où c'est fabriqué, L'image de la Terre, donc les récits qui en ont tenu la chronique, ont tous laissé au fond des bibliothèques un peu de cette écume des voyages. Dans l'imaginaire occidental, à côté de l'imaginaire historique du vieux fond médiéval et des contes populaires, le chevalier, la dame, la sorcière, le géant, le dragon, apparaît un imaginaire géographique issu de la première mondialisation porté par de nouvelles figures l'Indien, le pirate, le flibustier, l'aventurier, le Robinson. Ces personnages, réels ou de fiction, partagent certains points communs d'abord une forme de liberté en marge des lois communes, un nomadisme au gré des besoins et des envies, une violence aussi, obéissant à d'autres rituels que ceux de la guerre entre les États. Un bon exemple en est le Coureur des bois canadien, cet immigré de l'ancien régime qui a adopté le mode de vie du chasseur huron ou iroquois, débarrassé du carcan de son vieux pays clos de murailles et d'interdits, Dominé par un État tout puissant, il s'adonne au nombanisme, aux mille et un dangers de la vie sauvage et à l'ivresse d'une totale liberté. Ces figures, elles ont progressivement migré vers la littérature enfantine en devenant des figures du jeu et du déguisement. La peau de chèvre de Robinson, les plumes de la coiffe du chef indien, le foulard et le bandeau du pirate. Je vous donne un petit exemple dans L'enfant de Jules Vallès. Voilà ce qu'il dit à propos de Robinson Crusoe. Il est, dans un, il est pensionnaire dans un lycée sinistre à Saint-Étienne. C'est aux alentours des années 1850. Il est nuit. Je m'en aperçois tout d'un coup. Combien y a-t-il de temps que je suis dans ce livre Quelle heure est-il J'ai le cou brisé, la nuque qui fait mal, la poitrine creuse. Je suis resté penché sur les chapitres sans lever la tête, sans entendre rien, dévoré par la curiosité, collé au flanc de Robinson, pris d'une émotion immense remué jusqu'au fond de la cervelle ou jusqu'au fond du cœur. Ah. L'île déserte, les bêtes féroces, les pluies éternelles, les tremblements de terre, la peau de bête, le parasol, le pas du sauvage, tous les naufrages, toutes les tempêtes. Les cannibales. Ah. Mais non, pas de leçon pour ce soir. Je grelottais le jour, mais je n'étais plus seul. J'avais pour amis Crusoé et Vendredi. À partir de ce moment, il y eut dans mon imagination un coin bleu dans la prose de ma vie d'enfant battu la poésie des rêves et mon cœur mit à la voile pour les pays où l'on souffre où l'on travaille mais où l'on est libre que de fois j'ai lu et relu robinson autre chef-d'œuvre de littérature jeunesse l'île au trésor de robert louis stevenson et vous savez sans doute que l'auteur a d'abord dessiné une carte avant de décrire son roman et voici ce qu'il dit c'est ainsi, tandis que je m'absorbais dans la contemplation de mon île au trésor, dont il a dessiné la carte, que je vis apparaître peu à peu, sortant de bois imaginaires, les futurs personnages du livre. Leurs visages brunis, leurs armes étincelantes se laissaient entrevoir par brefs instants, là où je ne les attendais pas, passaient et repassaient devant mes yeux, s'entrebattant dans leur chasse au trésor, et tout cela sur quelques centimètres carrés de surface plane. Et pour revenir à la baleine, un dernier texte de fiction, celui d'Italo Calvino qui s'appelle Le Chevalier Inexistant. Et Italo Calvino, comme Stevenson, a dessiné une carte, mais cette fois-ci, il fait rentrer cette carte dans le corps même du récit. Et ça donne ça. Tout ce que je représente maintenant, avec ces petites lignes, avec ces petites lignes courbes, c'est la mer, ou plutôt l'océan. Voyez là, je dessine le navire sur lequel Agilulf accomplit sa traversée. Un peu à gauche, une gigantesque baleine. Ah N'oublions pas ce petit rectangle où j'inscris « mer-océane ». La flèche que voici indique la route du navire. Au fond, pourquoi ne pas tracer une seconde flèche pour montrer le trajet de la baleine Ça alors, les voilà qui se coupent. Eh bien donc, en ce point de l'océan, va se dérouler le combat de la baleine et du navire. Et comme la baleine, je l'ai dessinée beaucoup plus grosse, le navire aura le dessous. Je trace une quantité de petites flèches qui se croisent dans tous les sens. Vous comprenez qu'à cet endroit-là, entre baleines et vaisseaux, il se livre une furieuse bataille navale. Donc, c'est un merveilleux extrait où l'on trouve réunis l'enfance, la joie d'inventer, la littérature et la cartographie. Alors, j'ai parlé de cartes et je vais passer un petit peu à mon atlas et je vais vous parler un petit peu comment, comment ça se passe. Si, on, si vous voulez bien. Donc, à partir de, de ce petit dessin, j'ai imaginé un atlas. Et cet atlas, j'ai proposé à mon éditeur que ce soit un ensemble de 26 pays, 26 pays imaginaires, qui vont du A jusqu'au Z, avec, euh, pour entrée de chaque chapitre, une carte. Donc là, on a le pays des Smeraldas, on entre dans l'histoire par un conte ou un récit, donc vous voyez le texte, je suppose que vous le voyez sur l'écran, avec une grande image, une sorte de panorama. Ensuite, le récit se déroule, il est illustré par des paysages. On n'a pas parlé du paysage, mais ça compte aussi énormément dans l'histoire des, des voyages. Et on termine chaque histoire par une, un documentaire, c'est-à-dire une double page avec des éléments qui précise un petit peu le récit et qui donne comme un petit effet de zoom sur le récit que j'ai raconté. Je vais vous montrer les cartes. Voilà la carte du pays des Amazones. Voilà la carte du pays de Baïla Baïkal, le golfe de Kanda, le désert des tambours. Là on peut voir que c'est plus ou moins une carte inspirée des cartes arabes, le pays des Smeraldas. le pays des frissons. Donc ça, ça pourrait être une carte Inuit ou eskimo. L'île des géants, qui serait un peu proche de l'île de Robinson Crusoe. Le pays des Ungalil, île. les îles Indigo. Ce sont deux îles. Il y en a une qui est tout en haut, qui est un volcan éteint, et en dessous une île très très longue. L'île de Jade, le pays de Jade, le pays de Korakar. On peut voir que c'est un pays plutôt africain. Le pays des lotus. Le pays de la mandragore. Le pays de Nilandar. L'île d'Orbae. Le désert des Pireux. L'île Kinukta. Le pays de la rivière rouge. L'île de Selva. Le pays des troglodytes, le désert d'Ultima, les cités du vertige, le pays de Valava, le pays des Xingli, le pays des Yaleout et le pays des Isotles. Donc voilà, il y a 26 cartes qui sont toutes un peu. À chaque fois, on peut reconnaître de temps en temps une origine un peu orientale, africaine ou, ou naïve, tout simplement. Et je vais vous expliquer un petit peu mieux avec une carte comme celle-ci, où j'ai essayé de placer tous ces pays sur, la, sur une map monde, façon approximative, ce que ça pourrait donner. Et vous voyez que tout à fait au sud de, de mon globe, j'ai une grande île inconnue d'orbaï c'est une grande, une grande île circulaire. Elle prend à peu près la place de cette terre australe dont on a parlé au début, au début de, de, des textes. Et cette île d'Orbae, je l'ai imaginée comme ceci. C'est un île un, un, continent très vaste au sud du globe. Elle est entourée de fleuves de brume. Donc vous voyez cette espèce de cercle bleu pâle qui est autour de l'île. Ce sont les, les fleuves de brume. Et il y a un centre qui est inexploré parce que tous les, tous les fleuves ne vont non pas vers la mer, mais vers le centre de l'île où ils se perdent, où ils s'évaporent dans le désert. Ça, ça existe euh, par exemple en Asie, il y a des fleuves qui partent se jeter dans le désert du Taklamakan ils ne rejoignent jamais la mer ils n'ont pas cette chance ils vont se perdre dans, le, dans les sables du désert. Et cette île d'Orbae, euh, elle a cette particularité que les terres intérieures, qui sont figurées comme sur les cartes anciennes, avec des animaux, des plantes, des paysages extraordinaires, changent constamment. Elle n'est pas complètement fixe. Et donc, il y a une espèce de, de caste qui règne sur cette île d'Orbaï qui s'appelle les cosmographes. Ils ont un petit port, vous voyez le, le petit point bleu tout en bas, le port d'Orbae, avec lequel ils font commerce avec les autres, les autres pays. Et leur tâche à ces cosmographes, c'est d'envoyer continuellement des explorateurs à l'intérieur, dans les terres intérieures, de traverser donc les fleuves de Brume, ce qui est une mission assez dangereuse. Pour traverser les fleuves de brume, on utilise la guilde des aveugles parce que c'est les seuls qui peuvent ne pas se perdre dans les fleuves de brume. Il faut à peu près 4 ou 5 jours pour traverser ce brouillard. Et une fois qu'on arrive dans ces terres intérieures, la mission de ces explorateurs est de revenir avec des merveilles. Plantes, animaux, pierres, ce qu'on veut. Mais leur mission, c'est de revenir avec des merveilles et de revenir aussi avec des éléments de la carte. Ces éléments de la carte, ils sont... Compilés, ils sont consultés par des femmes cartographes et qui fabriquent à l'aide de tous ces éléments la carte mère. La carte mère est une grande carte qu'on change continuellement. Chaque fois qu'un explorateur vient, il faut retravailler la carte mère pour reporter sur cette carte les expéditions qu'il a faites. Et je vous fais un petit premier plan pour vous voyez un petit peu mieux comment ça se passe. Vous voyez le port d'Orbae tout en bas. Le voici quand on le montre dans le documentaire. Et mon histoire commence avec un, un explorateur qui s'appelle, tiens c'est bizarre, Ortelius, comme l'auteur du premier Ratlas imprimé, et qui a mené une expédition secrète. Donc il est parti à travers les fleuves de brume sans passer par la guilde des aveugles. Et il revient de nuit à Orbae après un long voyage. Et les membres de son expédition sont épuisés, fatigués, et ils sont couverts de boue, une espèce de boue noire, noirâtre. Donc, euh, à peine est-il arrivé au port, cet Ortelius, que des gens arrivent et se saisissent de lui et de ses camarades, et il est jeté en prison. On l'accuse, notamment, d'avoir mené son expédition sans passer par la guilde des aveugles, ce qui est rigoureusement interdit et aussi d'avoir fait cette expédition sans prévenir les autres cosmographes. Donc il va passer au tribunal des hérésies géographiques, tout simplement. Il va passer devant le tribunal des hérésies géographiques, le pauvre Hortelius. Voilà la traversée des fleuves de brume. Et voilà les merveilles qu'on est censé rapporter. Alors, cet île continent d'Orbae fait commerce de ses merveilles avec le monde extérieur. On peut vendre des animaux, des plantes. Vous savez, un petit peu comme c'était autrefois sur certains ports où on trouvait quantité d'animaux bizarres, etc. Voilà le fameux Hortelius. Il est très très bien équipé avec son astrolabe, tout ce qu'il lui faut. Et voilà le tribunal des hérésies géographiques. Hortelius réclame un arbitrage. Il dit qu'il veut l'arbitrage de la carte mère cette grande carte-là qui est euh, au milieu de l'amphithéâtre. Il faut, pour lire cette carte, un, un enfant qui a à peu près une dizaine d'années, qui a d'excellents yeux, et qui peut lire toutes les couches superposées de la carte. Mais cet enfant n'a aucune mémoire et il n'a aucun savoir. Il a simplement les yeux. Et il faut, par contre, un vieillard qui n'y voit pas grand-chose, mais qui a une mémoire extraordinaire de tout ce qui a été inscrit sur la carte. Donc il faut la naïveté, en fait, de l'enfant pour découvrir la carte. Et il faut le savoir du géographe pour l'expliquer. Et tout le monde est réuni autour de cette carte, là, avec Ortelius parmi eux, et chacun attend un une espèce de révélation de ce bruissement de couleurs, et rien ne vient, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive qu'il y a une tache noire sur la carte, comme si on avait versé de l'encre. Et là, on se tourne vers Ortelius, on lui dit c'est un double sacrilège, parce que tu, c'est toi qui as évidemment fait cette tâche, et tu n'as pas le droit puisque ce sont les femmes cartographes je vous ai expliqué au début qui doivent faire ce report sur la carte tu n'as pas le droit de faire ça et antélius s'explique il dit non non vous n'y êtes pas du tout je n'ai pas reporté mon expédition si mes gens et mes compagnons sont revenus couverts de boue noire c'est parce que j'ai versé de l'encre et qu'après on est allé visiter euh, la contrée que j'avais dessinée sur la carte et c'est pourquoi ils sont revenus couvert de noir. Et il y a une autre preuve, c'est que Hortelius est revenu avec un oiseau épouvantable, qui est très moche, et qui a un cri affreux, guttural, et qui n'est pas du tout une merveille. Et sur la carte, on voit qu'il y a un dessin d'enfant qui a été fait, probablement par le petit enfant qui est là, et qui est l'exacte reproduction de l'oiseau qu'a rapporté Hortelius. Donc voilà, c'est un petit peu la métaphore de ce livre, c'est-à-dire on peut dessiner une carte. On peut euh, aller la visiter et on peut la changer à volonté. Ce qu'on fait, les, les, réellement, les cartographes pendant des siècles, c'est-à-dire ils ont vraiment souvent inventé les terres qu'on allait visiter. Il n'y a pas seulement la Terre australe ou le Royaume du prêtre Jean. Et cette, terre, cette carte qui change, c'est une sorte de carte palimpseste où les couches se superposent les unes aux autres. Donc là, par exemple, dans le documentaire, je montre. Un un élément de la carte et je montre comment elle est recouverte par d'autres découvertes. Vous voyez là un, un acéphale, le personnage avec sa massue, et il est recouvert par un éléphant. Donc on peut imaginer que cette carte est une espèce de superposition de toutes les expéditions dans les terres intérieures. Et donc voilà comment s'est se se, se fabriqué cet atlas. Et pour plein de pays, évidemment, il y a plein de, comment dire, de sujets différents, de problématiques différentes. Voilà, je peux m'arrêter là. Merci, merci, merci. J'espère que vous n'avez pas été trop, comment perturbé par la navigation un peu vagabonde et par les, les, les sauts de mouton d'un texte à l'autre. Mais je n'avais pas envie de faire quelque chose de trop, comment dire, trop construit. Je voulais vraiment qu'on se promène dans ces cartes, à mon avis, comme les gens s'y promenaient, c'est-à-dire, euh, c'était tout le temps hein, le, c est, c est cette histoire de découverte du monde entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Juste un petit exemple, hein, Jacques Cartier, quand il va au Canada, c'est en 1534, il découvre le Canada, entre guillemets, et il voit des animaux incroyables. Il voit des animaux qui sont en troupeau, qui sont bruns, qui font 400 ou 500 kilos, qui nagent et qui ont des dents d'éléphant euh, comme un éléphant. Et ce sont des morses. Mais son texte dit, nous avons vu de grands bœufs qui ont deux dents en la gueule comme l'éléphant et qui vont dans la mer. Donc des morses, lui, il dit des grands bœufs qui ont des dents d'éléphant. Si on dessine le texte euh, au pied de la lettre de Jacques Cartier, on va tout de suite avoir un, un, un bœuf avec, euh, avec des grandes défenses et qui nage. Et donc, euh, vous pouvez regarder sur une carte tous ces animaux extraordinaires, ils ont une origine réelle. C'est simplement que les gens n'avaient pas les moyens euh, techniques de reporter ce qu'ils voyaient, ni appareil photo, ni caméra. Au début, on ne dessinait pas, les, les, le travail de dessin, de cartographie, de recensement s'est fait très tard. Et donc, euh, c'était simplement les, les récits de voyage qui permettaient aux gens de s'imaginer le monde. Et plus on était loin, aussi, plus on pouvait inventer. Donc, euh, il y en a beaucoup qui ne se gênent pas. Merci pour cette conférence euh, passionnante et très inspirante, c'est le qu'on puisse dire. Euh, nous avons encore un petit peu de temps pour une discussion, euh, des questions, des interventions. Non Monsieur Place, une anecdote encore je, peux, euh, je vais essayer de vous remontrer euh, d'autres dessins pour vous montrer quand même comment est bâti l'Atlas. Mais je remonte à. Il faut que j'arrive à quitter mon programme. Je ne vais pas savoir le faire. Euh, comment on fait pour quitter un programme Je ne sais plus. C'est échappe, mais là ça ne marche Terrible. Dommage. J'y suis arrivé tout à l'heure. Tu peux appuyer sur toutes les touches. Mon programme reste là. Ah, peut-être là. Voyons. Je vois pas. Arrêtez le diaporama, peut-être. Vous voyez quelque. Ah, voilà. Je vais vous ouvrir un autre programme et je vais vous montrer rapidement un petit peu euh, comment c'est construit. Donc. Voilà, ça, je vais aller très vite parce que ça, un, ce sont des illustrations. Hop. Donc voilà, par exemple, pour le pays d'Orbae, euh, de Esmeralda. La carte, c'est l'histoire, j'ai imaginé que les Espagnols n'étaient pas parvenus à conquérir l'Amérique et que les Indiens ont rêvé de l'arrivée des Espagnols, parce que chez les Indiens, le rêve est une, un moyen de connaissance. Et donc, ils envoient, une expé... ils envoient des, des ambassadeurs, vous voyez, euh, les pirogues qui descendent, les personnages en bas, et qui rejoignent une espèce de forteresse de bois, où est un Espagnol, euh, un guerrier espagnol, qui, qui a une bulle. Et dans sa bulle, on voit euh, des choses assez bizarres. On voit un personnage, une espèce de centaure avec euh, une canne qui fait du feu on voit un, un animal qui tire un chariot Et on voit des moulins avec des, des oiseaux en fait ce sont, les indiens sont arrivés ont voyagé euh, au pays des espagnols en utilisant les rêves je peux vous lire le petit extrait c'est pas très long vous allez voir comment ça marche La nuit venue, je pris l'herbe au voyage et l'inspirant par chaque narine, je me mis en quête de leur véritable origine et je leur volais leurs rêves. Ils viennent de si loin, mes seigneurs, d'un si vieux monde, qu'il faut pour y arriver traverser un fleuve plus large que nos montagnes. Donc ça, c'est l'océan. D'immenses pirogues à voile le sillonnent et abordent de grandes cités blanches peuplées de milliers de gens aux parlers rudes et ceinturées de hautes murailles. Il y a là-bas d'étranges êtres à quatre pattes qui vont par les chemins. Et d'autres qui tirent des tables, dont les pieds sont semblables aux disques de la lune, parce que les Indiens n'utilisaient pas la roue. Partout, leur Dieu, qui éternellement agonise, dresse sa croix contre le ciel, et c'est en son nom qu'ils portent la désolation au bout de leurs lances cruelles. Ils savent enfermer le tonnerre et la foudre dans des cannes de métal noir, donc ce sont les arquebuses. Mais ils ignorent tout de notre père le maïs. Ils ne savent rien non plus des piments, dont la récolte brûle les mains et délie les langues. Ils fouillent durement la terre à l'aide de haches tirées par leurs animaux et ils ligotent à des tours de pierre de grands oiseaux blancs pour moudre le grain des moissons. Ils ont une saison froide, blanche et grise, qui dépouille les arbres de leurs vêtements de feuilles et qui tue la nation des fleurs. Alors, ils s'enferment dans de sombres maisons qui soufflent la fumée par leurs hautes bouches de pierre. Lorsque je revins, de cet étrange voyage parmi leurs songes, mes seigneurs, je vis que tous autour de moi dormaient dans la citadelle. Les seigneurs à barbe rouge étreignaient fiévreusement les colliers et les bracelets d'or que nous leur avions donnés. Alors je pris la décision de prolonger sur eux le froid du sommeil par la magie des plantes et des chants sacrés. Puis je fis venir en silence nos guerriers, et nous les avons portés. Ils étaient lourds, mes seigneurs. Nous pouvions voir rouler des rêves de métal et de sang sous leurs paupières rouges. Nous les avons portés. Trois jours et trois nuits, puis déposés sur un radeau et confiés au fleuve qui roule ses eaux d'obsidienne vers le grand lac salé qui, dit-on, borde notre monde. Qu'ils repartent en paix, les seigneurs de métal, que le jade, la plume et l'or veillent sur leur sommeil jusqu'à leur lointain pays et que l'oubli efface à tout jamais de leur mémoire le chemin de notre terre. Donc c'est comme s'ils si ils étaient parvenus à, à, à rejeter la on va dire une petite troupe d'espagnols complètement perdus et donc voilà le, le point de départ c'est cette euh, image avec euh, une espèce de cité moitié inca moitié maya où on décide de l'ambassade euh, voilà l'ambassade qui descend la montagne alors j'avais en, en, en tête hein, une image très précise d'un film qui s'appelle à la colère de dieu où le début du, du film c'est une grande descente dans la cordillère des andes voilà les pirogues tout en bas et tout en haut la montagne. On voit une espèce de petite euh, forteresse à, à peine visible. C'est là où se sont réfugiés les derniers Espagnols. Donc ça, ce sont les, les dessins, c'est la carte, le grand dessin pour ouvrir l'histoire, les dessins qui accompagnent le récit. Et voilà la double page documentaire qui termine euh, le récit. Et quand je reprends cette double page documentaire, je peux revenir sur le bandeau qui est en haut. Et ce bandeau retrace exactement ce que je viens de vous lire. Donc je reprends l'ambassade, la citadelle, l'herbe à rêve, qui permet d'endormir, les guerriers espagnols endormis, la traversée du grand fleuve salé, avec les pirogues, avec des voiles, les cités blanches, donc quand ils arrivent par la magie des rêves en Espagne, les êtres à quatre pattes. Parce que la première fois que les Indiens ont vu des cavaliers, ils pensaient que c'était un seul, un seul morceau, en quelque sorte. Hein. Ils ne faisaient pas le, la distinction entre le cavalier et le cheval. Euh, il a fallu qu'ils en tuent un ou deux avant de comprendre que ça se séparait. Euh, les, les oiseaux cloués à des tours pour moudre le grain des moissons. Et les animaux qui tirent un, une table avec des disques semblables aux disques de la Lune. Et le petit truc qui est amusant, c'est que chez les Indiens, les cartes quand on dessine un chemin, ce sont des traces de pas. Donc vous voyez, là, ce sont les petites traces de pas qu'on retrouve également sur la carte. Donc pour chaque pays, voilà, il y a cette petite manipulation d'images et de textes qui fait qu'on a à chaque fois un univers différent. Voilà. Ouais. Mmh. Voilà, donc... Bah Monsieur Plage, ben je vous remercie. Je vois être... que j'étais plus long prévu, non Oui, non, mais c'est très bien. bien. J'ai abusé de votre temps, je suis désolé. <laughs> je n'ai pas mis en marche, marche mon minuteur. Et... Non, c'est parfait. Donc, ben merci pour cette provision d'images, pour quelques rêves qui vont venir. Donc, je fais une nouvelle tentative. S'il y a une intervention, question, non Alors. Merci. Ah, pardon. Bonsoir. Je me demandais par rapport aux univers que vous créez pour chaque lettre, si, si vous, vous inspiriez de la, du son de la lettre, d'un mot que ça vous évoquait. Ou la, pour, si certains, pour certains, par exemple le pays Xingli c'est le bruit de la monnaie parce que c'est un pays de marchands. Mais c'est un pays de marchands où il n'y a, <laughs> a plus de marchands. Il ne reste plus que des histoires ou des contes. Mais il y a quelques-unes des histoires qui sont, par exemple, il y a une histoire où le W, c'est un fleuve qui coule dans un sens le jour et dans l'autre sens la nuit. Donc ça c'est une histoire sur le temps parce qu'on va fabriquer une horloge sur un pont au milieu du fleuve et on va découvrir que le temps mécanique ne fait pas pareil que le temps qui est fluide, le temps du fleuve. Il y a d'autres histoires qui sont plus spécifiquement sur la géographie, il y a des histoires un peu sur le chamanisme en fait, chaque chaque c'est un petit atelier d'écriture. Donc chaque chaque lettre permet d'ouvrir pas Simplement sur un pays, mais sur une espèce de petite problématique qu'on peut qu'on peut inventer. Et sur le champ, il y en a deux il y a le pays des Amazones et euh, il y a le pays de Coracar. Parce que les 26 lettres de l'alphabet, c'est les comment dire. Euh ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas grand-chose, euh, 26 petits signes, mais en fait, on peut avec ces 26 petits signes euh, écrire des millions de mots dans des centaines de langues, des milliers de langues différentes. Donc, euh, ces 26 petits signes embrassent la totalité, presque la totalité des, des, des sons qu'on peut, pas tous, mais une grande partie des sons qu'on peut qu'on peut proférer pour, comment dire, décrire le monde. Et en même temps quand on prend une carte, euh, si on se penche sur la toponymie, sur les noms des lieux, les villages, les rivières, etc., vous prenez même une carte IGN euh, euh, d'un petit coin de France, vous regardez ça dans un coin de montagne, tout ça, et vous verrez que. Tous les noms sont très évocateurs d'histoire parce que il n'y a pas simplement la litanie des saints, euh, Sainte Cécile, etc. sur les villages, mais il y, y, y a des ponts du diable, il y a des rivières qui portent certains noms, y a, et donc euh, c'est aussi l'histoire qui affleure sur la carte. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver un j'ai lu il n'y a pas très longtemps un, un récit d'un voyageur actuel, contemporain, qui s'appelait Cédric Gras. Et il dit euh, C'est très dur de trouver une carte où il n'y a pas de toponyme, où, où l'homme n'a pas, a, a pas imposé son, sa, sa marque au fer rouge de, du nom qu'il donne à la montagne, à la rivière, à la forêt. C'est très dur d'avoir des terres qu'on dit vierges. Il n'y en, en a quasiment pas. Mais euh, ces, ces toponymes, en même temps, je crois que c'est le plaisir aussi de lire les cartes c'est que ça fait énormément rêver. Et probablement, j'imagine beaucoup plus encore autrefois, lorsque on, a, on ne pouvait pas atteindre ces pays euh, fabuleux, qu'on ne pouvait pas y aller, ou que c'était trop loin, ou que c'était trop cher, etc. Il me semblait que le, le cas évoque... Enfin, je sais pas, j'ai pensé à la Corée, mais... Euh est-ce est est, que je me suis trompé Je ne sais plus ce que vous avez dit exactement. C'est un pays plutôt africain. Ah, un, ça s'appelle Korakar. C'est Koraka. un, une histoire avec des, des chevaux, une fête de chevaux. C'est un mélange hein, parce que c'est une fête de chevaux que j'ai tirée de Marco Polo. C'est la fête des 10 000 juments blanches en Chine euh, dans, dans le, les récits de Marco Polo. Mais moi, j'ai déplacé en Afrique et avec un petit garçon qui est aveugle et qui joue du tambour et qui fait danser les chevaux autour de lui. Donc. Euh, voilà, c'est toujours un peu des mixages qu'on fait entre des, des, des bouts de lecture. Vraiment, vous, vous mettez des ingrédients, vous mettez ça dans un mixeur et vous attendez que ça sorte. Et voilà, il sort, il sort des histoires. Euh, je voulais savoir combien de temps ça vous a pris pour faire, pour faire tout le livre. Alors, ça, pour moi, il est, il est très ancien maintenant hein, parce que le, le, il est paru au... Au début en trois tomes donc entre 96 et 2000 il a été réédité récemment je crois que c'est en 2012 je ne sais plus mais quelque chose comme ça en deux tomes et le travail en fait c'est que j'ai j'ai euh, travaillé à peu près six ans sur l'ensemble le, de l'atlas euh, pas à temps complet mais une grande partie parce qu'il y a une grosse partie d'illustration il y a une partie aussi de, de recherche je vous montre ça va très très vite je vous montre les, les croquis euh, de préparation ils sont pas. Voilà. Donc ça, c'est mon travail de recherche. Euh, ça, ça peut être des, des croquis que j'ai faits à partir de peintures, de gravures. Euh, c'est du vrac. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas de... Ça, c'est national géographique. Il n'y avait pas de, de, de fil conducteur. Je me laissais juste porter par des, des dessins que je, je recopiais. Et vous savez aussi que dans, dans, dans l'histoire de l'iconographie, la façon dont on représente le paysage, si on est en Chine, si on est au Japon, si on est en Europe, ce n'est pas du tout la même façon de voir les, le monde. Et donc ça, c'est très intéressant de voir comment les, les autres peuples, enfin ceux qui dessinent, même, même si on ne dessine pas, les esquimaux, ils ont, des, ils ont des cartes qui sont faites avec des os, euh, qui, dessinent le, qui sculptent pour montrer le contour des côtes. Il y a plein de procédés. Et ça, c'est un, une espèce de de greniers que je me suis constitué, de formes, d'images, de, de, de personnages, et dans lequel j'allais puiser après pour raconter mes histoires. Et évidemment qu'il y a des histoires un peu auxquelles on ne peut pas trop échapper, par exemple la route des épices, la route de la soie, c'est des grandes routes marchandes qu'on va retrouver sous une, sous une autre forme dans cet atlas, parce que ce sont des, des grands vecteurs comme ça de déplacement. Voilà par exemple une recherche sur des personnages avec des animaux marcheurs et ce dessin-là représente des, une peinture d'un un peintre hollandais qui s'appelait Écoute qui est allé au Brésil et il a représenté euh, les, comment dire la société brésilienne de son époque c'est 1600 et quelques et donc il y a des il y a à la fois des, des, une métisse en haut, une métisse blanche là avec sa, sa robe, il y a un chasseur d'esclaves euh, qui est hispanique avec la canne à sucre derrière lui, il est au milieu, euh, en dessous il y a un, un, un roi africain, une, une africaine sur la, la côte africaine avec son, son enfant et deux indiennes là, qui sont représentées, euh, une, en bas à gauche c'est une indienne qui est dans une, une mission jésuite. Vous voyez, euh, on voit très, pas très bien, mais derrière elle il y a un bananier, et puis on voit une espèce de perspective comme ça qui va vers le, les bâtiments de la mission. Donc ça c'est l'indienne qui est comment dire euh, cap captive en quelque sorte des jésuites, qui est, qui est civilisée. Et tout en haut à droite il y a une autre indienne qui est sauvage. Elle a un chien entre les jambes, elle tient une main dans la main et elle a un pied dans son panier. Donc c'est une petite cannibale. Et euh, on dirait un dessin de Tony Onguerer, vous trouvez pas Il dessinait, dessinait souvent des, des, des mains qui dépassaient d'un sac. Et, et cette, euh, cette indienne cannibale, ce qui est très beau, je trouve, hein, dans, dans ce ça, ce sont des peintures que j'ai recopiées, mais ce que je trouve très beau dans, dans son propos, c'est de, de peindre les, les gens à égalité de, visa, de à égalité de, de vue. Il ne fait pas, euh, il ne dessine pas la cannibale comme on l'a dessinée sur d'autres planches hideuses. En train de mordre, je sais pas, comme une espèce de monstre dans une jambe. Elle a fait son marché, quoi. Elle est allée chercher un, une, un, était un petit bout de bonhomme parce que voilà, il faut nourrir toute sa petite famille. Et donc c'est quand même un, un, des peintures qui sont assez extraordinaires. Et tous les paysages sont représentés au tiers inférieur de l'image et ça lui permet de montrer. Alors tout en haut à gauche, c'est la le fruit de la passion, c'est la canne à sucre, c'est le palmier, le bananier. voilà chaque, chaque élément de la végétation est en rapport avec le personnage, etc. donc ça, c'était les petites recherches que je pouvais faire et qui me permettaient aussi moi de, de me promener dans, dans, dans les images. Alors sur celle-ci, vous avez un, un, un indien, euh, comment dire, d'amazonie, et puis tout en bas à gauche, un, un trompettiste dans... dans une cavalcade de Louis XIV qui est déguisée. Donc euh, est... après on peut mixer, on peut, on peut on peut mixer un peu tout ça. Et ça c'est le travail sur une planche. Euh... Donc avant je fais un dessin comme ça et ensuite euh, je le mets au propre et je le passe en couleur. C'est pas des grands dessins, ils sont à la taille du livre. C'est des petits, c'est un peu des miniatures. Et ça se termine, le dernier dessin euh, de l'Atlas. Donc dernière page, dernier documentaire. C'est une euh, petite indienne qui porte un bébé dans les bras. Et vous voyez que les traces qu'elle laisse derrière lui, derrière elle, se transforment en plantes, en fleurs. Parce que ces Indiens euh, pratiquent ce qu'on appelle la politesse des pieds. <laughs> ça serait beau de terminer là-dessus sur la politesse des pieds, si ça vous va. <laughs> Donc, françois place encore une fois. donc, je vous remercie pour cette très, très belle conférence. merci. merci à vous d'avoir écouté, d'avoir été patient. non, je crois qu'on serait resté encore plus longtemps. alors, donc, pour la prochaine conférence, donc, de notre cycle, en lien avec l'exposition, donc, c'est demain soir, une conférence sur Homer pour tous les détails, Petite minute promotionnelle. Donc, je vous rappelle qu'il y a une très très riche saison culturelle à la BNU pour le trimestre à venir. Donc, le livret est à votre disposition à la sortie de la salle. Voilà, encore une fois, donc, merci M. François Plaça. Eh, oui, Annick, tu veux. Prendre... Oui, je veux rajouter, et ceux qui n'ont pas encore vu la belle exposition, elle est jusqu'au 20 octobre. L'entrée est gratuite et c'est ouvert du lundi au dimanche. Non, plus ce soir, jusqu'à 19h. Merci. Voilà, merci, bonne soirée.